Yo tout le monde les amis, c'est Killer Surprise pour le 6ème épisode de The Darkness 2. Alors, The Darkness 2, bah écoutez, on s'était arrêté au même endroit hein, hier, hein, voilà. Le truc c'est qu'en fait, bah, j'ai cherché un tout petit peu, voir si je pouvais trouver de la vie, parce que, je vais juste choisir un autre pouvoir parce que j'ai assez d'essence pour ça. Alors, les objets ramassés avec le bras du démon explosent lorsqu'ils sont lancés sur une cible. Donc il y a ça. Donc ça c'est pour les flingues. Canalisation des armes, c'est en fait il y a le darkness qui va dans les armes, etc. Ok. Fusil à pompe darkness amélioré. Le fusil à pompe possède un chargeur plus grand dans le noir. Ouais. Pistolet darkness amélioré. Tous les pistolets possèdent un chargeur plus grand. Ouais, ça c'est... ouais. Amélioration et exécution santé. Recevez de la santé supplémentaire quand vous éliminez un ennemi par exécution santé. Ouais. Poigne de fer. Les ennemis... Ok. Bah pour le moment il y a vraiment que celui-là qui m'intéresse. Ça pourrait être utile. Voilà, bon j'ai acheté ça, mais comme vous pouvez le voir, j'ai plus beaucoup de vie. Et le truc c'est que ici je pense qu'il va avoir des fails, hein, je vous le dis tout de suite. En plus j'ai plus beaucoup de balles, fuck. C'est quoi ce bordel là? Pourquoi j'ai plus de balles? Oh! Attendez, je recharge maintenant parce que. En fait ici il va avoir un combat de boss. Bah le mec qu'on a vu, je sais plus comment il s'appelle d'ailleurs, enfin c'est un fumier de lapin. On va l'appeler comme ça. J'ai plus beaucoup de vie. Donc j'espère que je vais pouvoir me refaire une petite santé d'ici là. Hop, voilà le petit Darkling qui va bien. Alors est-ce que je pourrais avoir... Est-ce qu'il y a des balles s'il vous plaît, des munitions? Merci. Voilà. Voilà. Ah, voilà, ça j'aime bien. Vous voyez? Voilà. Alors il est pas très très dur, une fois qu'on connaît à peu près son mode, enfin, ouais son mode opératoire on va dire, une fois qu'on connaît un petit peu ses rushs, ça va, c'est gérable, mais vous voyez, ouais, voilà. Alors je sais pas si ça l'affecte, tiens, par contre. Ah si, ça marche. Voilà. Alors, hop. Hop, voilà, on va essayer de... Alors, il y a deux phases, il me semble, hein. Il y a deux phases. Alors là, j'essaie de me concentrer un petit peu. Parce que j'ai souvent du mal et je vais crever. Je pense. J'ai pas fait attention à la vie. Alors, attendez, mince. Ah, fuck, puis j'ai plus de vie en plus. Là, je vais certainement mourir, c'est pas grave. De toute façon, j'ai prévenu, hein. Ah, il y a un cœur, là, génial. Ah putain, c'est vrai. Dépêche-toi. Voilà. Un cœur. Vite, un cœur. Mais non, je veux pas de ça, moi, je veux un cœur. Un cœur à dévorer. Voilà, merci. Voilà, vous voyez, en fait, voilà, il va être chiant. En fait. Donc ça me fait gagner un petit peu de temps. Par contre, j'aimerais bien prêter ces lumières là. Ce qu'elles me suivent. Mais ça, pour les avoir, c'est relativement chiant parce que, bah, on sait pas où faut tirer, en fait. Alors, bon, s'il y a du fail, de toute façon, j'ai prévenu en début de vidéo, s'il y a du fail, bah, il y a du fail. Tant pis, c'est pas grave. Mais j'aimerais bien qu'il y ait, bon, un ou deux ennemis qui s'amènent pour que je puisse avoir un cœur. Il y en a un là-bas, mais le seul problème c'est qu'il y a de la lumière et je peux pas l'atteindre. Enfin, je peux pas, si, peut-être, je vais essayer, mais à mon avis, non, vous voyez, ouais. Ah, lève-toi. Voilà, vous voyez, je peux pas l'atteindre. Voilà, voilà. Le problème est là, c'est que en fait, ces lumières là pour les péter, c'est relativement chiant, tout simplement parce qu'elles sont on a beau tirer, des fois ça se pète, des fois ça se pète pas. Alors, bah, au final, voilà, on sait pas ce qu'il faut faire. Enfin bon, c'est pas grave. C'est pas grave. De toute façon, j'ai prévenu qu'il y aurait du fail. Ah, vous voyez, là j'en ai une. Voilà, deux. Alors, munition. Alors lui, il faut faire attention à lui, parce qu'en fait, voilà, lui, il nous désarme en fait. Alors, hop, on va gagner un peu de temps.
Voilà. Petite exécution de santé. Alors. De toute façon, s'il y a du fail, j'ai prévenu, c'est pas grave, bon, ça fait de toute façon. De toute façon, dans un jeu ou quoi que ce soit, on peut pas toujours gagner ou jouer comme il faut, hein, ça, de toute façon. Alors, je sais pas si ça marche, non. J'ai voulu essayer. Ah, oh, j'ai déjà plus de vie, mais c'est pas vrai, quoi. Non, mais c'est dingue. Et le seul problème, c'est que j'ai... Il y a pas de cœur. Je fais comment? Si, il y en a un, là. Voilà. Là, you. Oh. Voilà. Hop. Voilà. Allez, pêche-toi, recharge. Il est trop long à recharger aussi. C'est ça qui est chiant, il faut... Oh non, fuck. Oh fuck, putain j'y étais presque. Ouais c'est bon, c'est pas grave. De toute façon je m'en doutais que j'allais faire au moins 2-3 fois sur cette partie. Mais bon, comme j'ai dit, ça fait partie du jeu. Puis, si les gens sont pas contents, eh ben, ils sont pas contents. J'en ai plus. Allez hop, faites-moi ça. Voilà. What? Quoi ce bordel, j'ai pété la lumière et elle apparaît comme ça, c'est normal. Mais c'est quoi ce délire là, ça? Putain, casse-toi toi. C'est quoi? Attendez, j'ai pété la lumière et... D'accord, alors là faut qu'on m'explique quand même parce que il semble l'avoir explosé quand même. Hein. J'ai pété la lumière et elle réapparaît comme ça, alors j'aimerais bien qu'on m'explique quand même, parce que là, non quoi, je suis pas d'accord. Voilà. Alors attendez, je vais essayer de gagner un petit peu de temps, essayer d'aivorer, voilà, ça. Voilà. C'est son truc qui est chiant, parce qu'on a, on peut l'éviter, mais dès qu'on... Même si on... What? Bon, d'accord, j'ai pas compris, il m'a pas tout... Enfin, bon. Bon, la rage va commencer à m'envahir, je le dis de suite. Voilà. Dévorer des cœurs. Bah ouais, mais j'ai pas le temps, regardez, je peux rien faire. Oh, mais c'est pas vrai, hein. Voilà. Alors, bon, cette fois, j'espère que ce sera la bonne, parce que ça... J'ai fait une... Ouais, ça va peut-être pouvoir m'aider, mais je sais pas si ça va avoir aucun effet sur lui, je pense. C'est bon. Où il est, d'ailleurs. Je vois plus rien. Parce que c'est pas très dur, c'est le problème c'est... Vous voyez, on peut l'éviter, mais on, en fait, dès qu'on l'évite, on se le prend quand même. Alors, ça, et ça nous enlève toute notre vie, sa connerie. D'accord, là, il y avait un mec pour un cœur, mais il n'y est plus. Hop. Alors, vous voyez, des fois... Ah bah, non. Quand même. Non, j'allais dire, des fois, la nuit, ça le... Ça l'atteint, mais des fois non. Oh là là. Ouais, non, mais là je commence à faire n'importe quoi parce qu'en fait ça me gonfle. Et voilà. Là ça commence à me gonfler, donc la rage va commencer à m'envahir et ça va... Oui, bah dépêche-toi, Darkness. Allez, hop, je crois que ça va foutre. Hop.
Hop. Une là et une là. Tap, y a rien à proximité que je puisse attraper, c'est impressionnant quoi. Dégage toi. Voilà. Voilà. Bon, c'est bon, il n'y a plus de lumière là. Arrêtez un peu de m'éblouir pour rien quoi. Bon, il est où l'autre? Voilà. 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 Alors, cette fois, j'espère que ce sera la bonne. Enfin, j'espère en tout cas. Allez, cours, abruti! Ben c'est pas dur, c'est pas que c'est dur, c'est que je sais pas, enfin non j'ai pas mis, enfin bon c'est, de toute façon c'est pas la difficulté qui fait ça quoi, c'est... C'est pas... c'est pas que c'est dur, c'est... Des fois c'est chiant, enfin... Surtout là on est le matin, ouais j'ai... Non ça marche pas ça. Ah putain, c'est pas vrai. Il est où? Ça y est. Voilà. C'est pas chiant, c'est que voilà, il faut trouver interroger. Hop, voilà, interroger. T'es le porteur du Darkness, Estacado. Bah oui. T'es une mallette en chair. Une escale temporaire dans une mer de haine. Achève-le. Vas-y, tue-moi. Je sais que tu le veux. C'est ma récompense. J'accepte volontiers cette souffrance au nom de la confrérie. Dis-moi où se cache ton boss. Pourquoi crois-tu qu'il se cache, hein? Qu'il se cache d'un faible comme toi. Le Darkling lui s'éclate. Il est à Hellgate. Tu te souviens de Hellgate, pas vrai, Jackie? Tu as tellement de souvenirs là-bas, hein? Viens nous rendre visite. Tu seras le bienvenu. Hellgate. Merci pour le coup. Oh putain. Ah, je me rappelle le but, ça. 12 vengeance, un succès, ok. La première fois que tu butes quelqu'un, t'arrives à un carrefour. Tu découvres quelque chose sur toi-même. Tu découvres pas de quoi tu es capable ou si t'as un mauvais fond, rien de ces conneries. Tu découvres si tu peux dormir la nuit d'après, ou si tu peux pas. Soit ça te hante, soit t'oublies. J'avais 16 ans quand j'ai tué un homme pour la première fois. Et depuis, toutes les nuits, je dors comme un bébé. Ah putain, j'aimerais pas voir ta vie, mon gars, quand même, hein. Tout va bien, le gars, 16 ans, il tue déjà quelqu'un, 21 ans, ça y est, c'est déjà... c'est bon, quoi. Alors, bah, je me balade un petit peu, hein. Je fais un petit peu le tour et tout... Ah, j'en ai marre de ces types, Jackie. Faut qu'on mette fin à tout ça. C'est ça le plan, Vinny. Dis-moi ce que je dois faire. Je vais aller voir Johnny. Comme tu veux, boss. Quand tu seras prêt à buter ces enfoirés, préviens-moi. Parler à Johnny dans la bibliothèque. Ok. Ouais, tu peux admirer la vue, quand même. Ah oui, il y a un truc à faire ici, je crois aussi. Mais bon, ça, c'est pour avoir les succès, etc. Je sais plus où c'est. Faut aller voir l'autre, enfin faut aller voir, il y a un mec qui est en bas je crois, enfin je sais plus où il est. Faut arriver à déglinguer des bouteilles le plus rapidement possible, enfin plus vite que lui, je sais plus, on a 3 secondes je crois pour le faire ou je sais plus quoi. Salut, bon. Jackie. La vache, quel bordel. C'est réparé ou pas là? Oh.
L'enterrement a du mal se passer. Heureusement que j'ai filé après la messe. Ça me rappelle mon travail au manoir de Playboy. Ouais, ouais. D'accord, elle raconte sa vie, elle. Je regarde un peu, voir s'il n'y a pas petite relique ou un petit truc à trouver. On sait jamais. Je me balade de toute façon un petit peu. On a le temps, on a le temps. Alors. Bah, je crois qu'elle est pas dans sa chambre d'ailleurs. Ah voilà, il y avait un. Voilà, je savais qu'il y avait un truc ici de toute façon, c'était sûr. Au revoir, tante Sarah. Ils l'ont quand même saucissonné haut. Elle avait rien demandé, elle. Salut, boss. Ouais, salut. Non, je suis pas une boss. Oh. Qu'est-ce que je dis, moi? N'importe quoi. Alors. Salut, Jackie. Ouais, salut. Oh, je suis là. Vous voulez pas me parler, vous faire foutre. Bon, Butch. Bonjour, Jackie. Salut. Tu dois en finir, Jackie. Ah ouais, ouais, t'inquiète. Ouais. Fais ce que tu dois faire, Jackie. Voilà le boss. Ah voilà, c'est ça. Alors, passer du temps avec Dolfo, parler à Dolfo. Qui, moi? Rien? Quoi? Descendre quelques bonnes bouteilles avec Dolfo, donner une leçon aux pigeons. Ouais, bon, ça c'est bon. Voilà, ça c'est secondaire, quoi. Il faut exploser toutes les bouteilles en moins de je sais plus combien de temps. Genre, on a 10 secondes. Enfin, je sais même plus, 3, 10 secondes, enfin machin. Puis après, il y a un truc avec des pigeons. Bon, ouais, c'est optionnel, quoi. Moi, je sais que je l'avais fait sur 3-6 pour avoir tous les succès. Là, c'est un let's play, mais c'est pas, voilà, hein. Je vais pas... Jackie, j'ai appris ce qui s'est passé, nom de Dieu. Putain, je crois que je débloque vraiment, là. Je vois toujours cet asile. Ah, oh, la manette. Je crois elle trempe pour rien, alors je sais pas, elle trempe pour... Jackie, c'est à cause du Darkness, il essaie de te perturber. Alors, je me dis que ce serait le bon moment de visiter Hawaï ou les Fidji. À quoi ça part? Chaud et à 10 000 km de ces types. Non, il se planque sur la vieille promenade d'Astoria. Ah, oh, elle est chiante, hein. Elgatefield. Jenny et moi, on y allait quand j'étais gosse. Putain, c'est dingue. C'est là que je vais aller. Jackie, tu devrais réfléchir. C'est peut-être un piège. Ça pue le traquenard à plein nez. C'est parce que c'est un piège, du con. Et j'ai pas vraiment le choix. Je ne veux pas qu'il blesse Jenny. Les laisse pas prendre le Darkness, Jackie. Si tu le fais, on est tous foutus. Et le siphon? Le Darkness ne doit pas le prendre. S'il le fait, on est tous foutus une fois de plus. Même l'Angelus ne pourra pas arrêter le Darkness. J'aurais peut-être pas le choix. Merde. Dans tous les cas, je suis baisé, c'est ça? Écoute, Johnny. Merci pour tout. Alors, parlez à Vinny. Ok. Bon, on va aller leur parler directement. Désolé si vous entendez un peu... Si vous entendez vibrer, c'est la manette qui se met à vibrer pour rien, en fait. Alors, c'est chiant. Si tu meurs, je pourrais prendre tes livres. Quoi? C'est trop tôt? Oui. Le fumier, ouais. Ah oui, c'est salut, petit. Eh ben, on peut dire que ça a été un sacré bordel. Sacré, boss. C'est un mauvais plan, Jackie. Un très mauvais plan. J'ai parlé à Vinny. Faudrait peut-être qu'on se planque un moment. Le temps que ça se calme. Très bonne idée. C'est ce que vous devez tous faire. Mais moi, je vais en finir. Dès ce soir. Et ça veut dire quoi, ces conneries? Ça veut dire que je vais sur la vieille promenade d'Astoria. Ils ont un truc dont j'ai besoin. C'est quoi cette histoire, boss? T'as qu'un mot à dire. Moi et les gars, on veut bien buter qui tu veux. J'y crois pas, ils sont venus jusqu'ici. Non, Vinny. Je vous fais tous courir des risques avec ce truc. Je veux pas que ça recommence. Faut que je fasse ça tout seul, d'accord? Jackie, arrête, je peux pas. C'est un ordre, t'entends? T'as des couilles, petit. Ah bah oui, Vinny. Si je reviens pas... Dis pas ça, Jackie. Je te verrai à ton retour. Compris? Bon bah écoutez, moi là voilà, je me la fais solo, on va dire. Allez, c'est parti. Quand on était gosses, Jenny et moi on était fauchés, mais elle se débrouillait toujours pour qu'on s'amuse. Une fois pour mon anniversaire, elle est allée sur une piste de roller. Un gamin faisait une fête et il y avait tellement de monde qu'ils ont pas remarqué une fillette qui prenait du gâteau. Et puis quelques cadeaux. Tout ça pour moi. C'est mon meilleur anniversaire. Elle nous faisait entrer au Cinoche, dans des bars, partout. Et si on se faisait choper, elle était aussi douée pour nous faire sortir que pour nous faire entrer. Elle trouvait toujours la bonne solution.
J'aurais dû me douter. Un bol pareil, ça dure jamais. Ah bah... Ça... Je peux pas toujours avoir de la chance, hein, elle. Alors, trouver un moyen d'entrer dans la fête foraine. Ok, bah écoutez, on va y aller. On va y aller. Je regarde s'il y a pas une petite relique en passant, je sais... Parce que ça, en fait, ça me fait gagner de l'essence, donc en fait, ça me permet d'acheter plus de pouvoirs, etc. D'avoir les pouvoirs plus vite aussi, accessoirement. Alors... Jackie, par ici. Jenny, attends! Viens là, je veux te montrer quelque chose. C'est pas réel. Tu n'es pas réel. Hé, Jackie, je connais un moyen d'entrer sans payer de billets. Mais il faut que ce soit réel. Il cherche à te tromper. On va se glisser dans la foire aux monstres. Je te promets que t'auras pas peur. Tu savais toujours prendre du bon temps, pas vrai, Jenny? Tu viens de chercher, bébé. Tiens bon. Putain, je me suis perdu. Voilà, allez. Salut mon pote. Tu viens bien. Salut bien. On va régler nos comptes. Allez, alors, ils sont disponibles, on va regarder, hein, on va regarder. Ça m'étonne. Ah si. Ouais, pour les armes. Manipulation des armes. Les armes se rechargent plus rapidement. Ouais, ça peut être pas mal. Ouais, je vais prendre ça. Parce que ça, c'est vrai que ça me manque un petit peu, les armes qui se... Bah, se rechargent pas super méga rapidement, donc c'est chiant. Alors, je regarde, il n'y a pas une petite relique quelque part, non? Il y en a ici, hein, il y en a, je le sais, mais... Ouh, encore une fois... Alors, parcourir la fête foraine, ok. C'est devenu un vrai merdier, ici. Ah, alors ça c'est chiant quoi, se faire bloquer par des trucs de merde, franchement. Putain, on est le Darkness, on peut même pas passer par-dessus un truc quoi. Juste parce qu'il y a un petit trou quoi. Alors ça, moi je trouve ça con. Ah bah oui, bah en même temps, voilà. Je peux pas prendre d'armes donc. On y est presque. Ça brûle les couilles. Je sais même plus où elle est, elle d'ailleurs. Bah elle est où cette con? Parcourir la fête foraine. Bon bah on va la parcourir encore une fois. Alors, tu vas me gagner un lot, mon cœur. Oh oui, il y avait ça aussi, non. Ours bleu. Il a l'air grognon. Oh, je crois qu'il te ressemble. Jackie, qu'est-ce que tu as? Ça va pas? Décide-toi, gamin, j'ai pas toute la journée. Oh, toi, tu te tais. Tu peux me gagner l'ours bleu, là? Oh, s'il te plaît. Gagne-moi un lot et je te dirai un secret. Mais va pas te faire des idées. Ouais, oh. De toute façon, là, c'est pas grave, je cherche pas spécialement à avoir les succès, donc bon, on va faire ça un peu, on va aller vite. Bien joué, Rambo. On va aller vite, parce que j'ai pas que ça à faire non plus. C'est un let's play, voilà, je cherche pas spécialement à avoir tous les succès, parce que... Bon, voilà. On verra peut-être, si peut-être que je le referai un de ces quatre en mode New Game Plus, pour souffrir encore et encore et encore, mais... On tient notre champion. Voilà ta récompense. Hey, c'est pas ça. Je voulais le gros bleu. Hey, si tu veux le gros lot, faut gagner encore, cocotte. Approchez. Tout le monde peut gagner. Gagner pour décrocher Jenny, le gros lot. Jenny, qu'est-ce qui se passe, Jackie? Il semble un peu distrait. Par ici, Jackie. Par ici. Alors je crois qu'on peut le gagner, mais bon, il faut, il faut avoir un certain nombre de points, mais bon, là voilà, comme je l'ai dit, c'est pas spécialement ce que je veux montrer dans ce let's play. Ça m'intéresse pas spécialement. Alors ils sont où?
Tiens. Bim, qu'est-ce que t'as là? Oh, oh, où tu me touches toi? Voilà, qu'est-ce qu'il y a là? Non mais t'es fou toi, t'as cru que tu pouvais avoir le pouvoir du darkness? Non non, t'as rien du tout mon gars. Attendez, j'essaie de péter les lumières. Alors vous voyez, des fois ça le tue, des fois ça le tue pas. Alors c'est ça aussi, c'est des petites incohérences, enfin je sais pas. C'est assez bizarre. Assez bizarre. Alors, ils sont où? Allez, venez, la petite petite. Ouais, ça, combiné à la lumière qui est bien relou, etc., c'est bon. Tiens. Non, c'est quoi? Voilà. Bon. Je vais essayer de faire le tour. Ouais, alors. Bon. On peut monter quelque part, mais pas ailleurs, quoi. Bon, ça, on est le darkness, mais voilà, comme je disais tout à l'heure, voilà, on a limite des super... Bah, on a des super pouvoirs, machin et tout, mais voilà, quoi. C'est comme le mec, voilà... je sais pas, il peut voler, soulever tout ce qu'il veut, il fait... Enfin, voilà, le mec, voilà, c'est un super héros, il vole, il peut tout porter, il peut... mais il est incapable, mais bon, voilà, son défaut, c'est qu'il est incapable de marcher. Ouais, bah, non, enfin, tu vois, ça revient un peu au même, quoi, c'est... Alors j'essaie de voir où est cette fucking lumière là. Ouais, vous voyez, celle-là on peut pas la péter. Alors c'est... Moi ces trucs là je trouve ça un peu inutile. Ça sert à... Enfin je sais pas, c'est des loupiottes comme tout le monde quoi. Enfin comme toutes les autres quoi. Tiens. Voilà, ça fait où? T'es sérieux là? Prends traître là? Non, non, non. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Oh, j'en profite, hein, même si je suis full life. Cherchez Victor. Ah putain, les fumées quoi. On prend la meilleure arme. Hop, voilà. Que ça fait pas de mal, une petite exécution de temps en temps, hein, c'est bien. Ah, et voilà. Alors ça, c'est un des problèmes qu'il peut avoir dans ce jeu, c'est ça, c'est... Dès qu'on essaye de faire un truc, des fois ça passe pas et au final ça lève juste le perso et le bras et faire ce qu'on fait, ça va. Enfin, en fait j'essaie de donner un coup comme ça, le seul problème c'est que bah, le jeu s'est dit non non t'as pas bien appuyé sur la touche, donc au final ça a juste levé le perso et j'ai perdu toute ma vie quoi. Hop. Voilà. Voilà, lui, c'est fait. Voilà, ça c'est fait aussi. Alors. Ils sont où là les autres? Ça, ça va être de plus en plus récurrent maintenant, ça y est, ils ont découvert la lumière, donc maintenant c'est fini pour nous. C'est fini pour nous parce que maintenant ils vont avoir que ça tout le temps. Alors c'est chiant quoi. Tiens. Et de une.
et de 2. Hop, allez, donne-moi des munitions. Voilà. Voilà, le Darkling qui les occupe. Hop. Oh, mais c'est pas possible. Non mais c'est chiant, enfin c'est chiant leur truc quoi, à chaque fois c'est pareil quoi, et ça y est, ils en ont à l'infini en plus de ces conneries quoi, c'est ça qui est relou. Merde, il n'y en avait pas ici. Et en plus ils en ont à l'infini quoi, c'est-à-dire si on reste trop statique, ils vont t'en balancer 200 à la fois et au final tu peux plus rien faire. Voilà, allez, donne-moi un petit cœur là. D'accord. Je veux un cœur, il me donne un trou noir, c'est génial. Là c'est pas ça que je veux maintenant tout de suite. Oh putain mais c'est pas vrai quoi, ils vont me donner que des trous noirs maintenant. Putain, c'est pas possible. Alors. Voilà. Lui il a bien un petit cœur pour moi. Ouais, merci. Au moins un qui est sympa. Alors, la lumière. Bim, ça c'est fait. On va prendre ça. Comme ça. Voilà. C'est quoi ça? Bon, ça c'est une arme, ok. Alors. Ça se pète. Voilà. On va prendre ça avant de rentrer dans le truc. Allez, hop. Par contre, les reliques, j'en ai combien? Une sur une, bon bah, c'est parfait. Alors, je crois, voilà, ouais, ça je m'en doutais de cette connerie, là. N'approche pas de la lumière. Bah ouais, mais en même temps... En même temps, vous foutez ça en plein dans la tronche, donc comment tu veux que je fasse? Allez, hop. Voilà, va plus vite. Hein. Oh. Voilà, ça c'est ces petits trucs là que je comprends pas spécialement bien, devoir péter les générateurs. Alors oui, ils peuvent en avoir, mais pourquoi on peut pas les exploser directement, quoi? Enfin... Ça aurait été expliqué encore dans le scénar comme quoi, je sais pas, ils avaient mis une protection ou un truc contre le darkness par exemple, je sais pas moi, enfin, quelque chose, oui, mais là, il y a pas spécialement de raison pour qu'on puisse pas les exploser comme les autres, quoi. Bon, après, bon, c'est pas grave, mais c'est des petites incohérences qui sont un peu dommages, quoi. Je veux dire, bon... C'est du verre comme tout, comme... voilà, quoi. Ça reste des loupiottes, voilà. Après, ils auraient expliqué, peut-être dans le scénar, comme quoi, par exemple... je sais pas, ils ont une protection contre le darkness, ça, on peut pas les exploser comme ça parce qu'eux, ils ont mis, je sais pas, une protection quelque chose, tout simplement. Bah oui, là, j'aurais été d'accord, parce que ça aurait été plus logique. Enfin, on aurait eu une explication. Là, on en a pas, donc... Là, on n'a pas eu d'explication, donc c'est juste, c'est des générateurs qu'on peut pas exploser, parce que c'est comme ça. Bon, je trouve ça dommage. Après, bon, c'est pas... Voilà, hein, c'est pas grave, hein, ça n'a tué personne, mais bon. C'est pour ça que The Darkness 2, je crois qu'il a... Enfin, il a plu, mais un petit peu moins que le 1. Le 1, c'est vrai qu'il avait un peu plus une dimension... Un peu plus une dimension, tiens, je me balade un petit peu, j'ai quelques petites quêtes annexes, voilà, là c'est vraiment... on a l'impression que des fois j'ai l'impression de vraiment jouer à Bulletstorm entre guillemets. C'est-à-dire que voilà, il faut tuer limite avec style pour avoir plein d'essence possible, le plus d'essence possible pour pouvoir évoluer.
Et c'est tout en fait, l'histoire s'arrête là en fait. Je veux dire, il n'y a pas. C'est moins profond que le premier. Le premier, il y avait quand même plus une histoire, c'était quand même. Bon. Après, ça reste mon avis, encore une fois. Hein ? Pourquoi j'ai. Ouais, j'ai fait... bah, je sais pas, j'ai pas compris là pourquoi j'ai fait un 360 comme ça d'un coup. Bon, c'est pas grave, tant pis. Je sais pas, le perso il a fait un 360 direct. Bon, c'est pas grave, hein. J'ai pas compris en fait, mon perso il a bout. Voilà, toi tu bouges plus. Toi tu es même pas mort en plus. Voilà, alors. On va prendre ça. Moi j'aime bien ça. Et vas-y, ce magnifique athlète vient de réussir un sans faute. Tiens, voilà, toi tu vas me foutre la paix. Hop, allez, des petites munitions quand même. Voilà, je t'arrache juste la tête, je suis un mec sympa, tu vois. J'aurais pu être plus méchant. J'aurais pu, hein, mais je l'ai pas fait. Mais vas-y, oh, t'as l'autre bout, toi. Tu t'es cru où, là? Bon, oh, mec, il a l'autre bout, ça y est. Il a un lasso qui fait 40 km de long. Mais, oh. Voilà, le Darkling va s'occuper de lui. Mais je vais le finir. Attention, allez, hop. Wouh. Non, non, il n'y a pas de pitié pour les croissants. Allez, hop là. Ah bah oui, ça brûle, ça pique surtout, je pense. Je pense, hein. Voilà, une lumière en moins. Voilà. Oh, allez, dépêche-toi, recharge. Voilà. Ouais, et je vais surtout te décapiter. Ouais, oh, c'est bon, quoi. Ouais. Mec, maintenant, on peut même plus les avoir avec tes... Bah, hey, c'est bon, le Darkness, hein, c'est pas toi. Hein. Allez, mec, non, mais ça y est, les mecs, ils ont un truc, en fait, ils sont 10 fois plus rapides que moi, ça y est. C'est ça que j'aime bien, quoi, c'est que les mecs, ils ont juste un petit truc, tu vois, et puis ils vont plus vite et tout, ils esquivent tout. Oh. On va peut-être arrêter, quoi. Tu te chutes, j'ai dit. Oui, mais calme-toi. Alors, qu'est-ce qu'on a par ici? Ah mince, il s'active tout seul, c'est vrai. C'est vrai, j'avais oublié ça. Mais je peux pas passer, il y a de la... Vous voyez, maintenant, il y a de la lumière partout. Alors, c'est... On fait pas ce qu'on veut, en fait. On est... Voilà. Voilà, alors là, je tire dessus, mais ça passe pas. Voilà. Ouais. Alors, ce qui est chiant, c'est ça. C'est que maintenant, voilà, ça y est, ils ont vraiment abusé de la lumière. T'en as partout. T'es obligé de t'arrêter à chaque centimètre carré d'une pièce pour tout péter. Après, moi, je trouve que c'est des petits défauts. Après, voilà, c'est surtout... Pour moi, c'est surtout un jeu de vengeance, machin, où t'avances, tu réfléchis pas, quoi. T'es pas constamment obligé de t'arrêter. Alors, je regarde. Bon. Après, bon... Je l'apprécie. Je pense Darkness 2, je lui donne un bon 15 sur 20 parce que ça reste. Même s'il est pas très beau, mais bon, de toute façon, c'est pas les graphismes qui fait le jeu. Je veux dire. J'ai pas d'essence ou quoi? Si. Alors, trou noir destructeur. Augmente la taille du trou noir.
l'armure de l'obscurité. Dans l'obscurité, Jackie est enveloppé d'une armure qui lui confère une meilleure résistance aux dégâts. Je vais peut-être prendre ça quand même. Pour le sûr, on sait jamais, parce que c'est vrai que... Plus on avance, et bah, plus ça va devenir un peu plus compliqué, entre guillemets. Hein. C'est pas... voilà, c'est pas méchant, mais bon, ça... Si on joue pas comme les développeurs l'ont décidé, il faut faire ci au bon moment, il faut faire ça, bah... On n'y arrive pas. Voilà. Mais bon. Non, on peut pas aller par là. Faut aller où maintenant, déjà? Chercher Victor. Ah si, bah si, il fallait bien aller par là. C'est... Ah bah oui, il ouais, fallait aller sur le toit. Normalement. Ah oui, voilà. Ah oui, alors là, ça y est, là, ça va être... Là, il va en avoir, il me semble, de partout. Enfin, partout. C'est relatif, hein, mais il va en avoir. Ah, ça sauvegarde. En plus, de toute façon, on le sait maintenant. Quand ça sauvegarde, généralement, tu te dis, ouais, bon... ça pue. Allez, amenez-vous, là. Je crois que ça va faire, là. Allez, hop, hop, hop. Allez! Bah. Alors, il y a une relique par là, il me semble. Elle est où déjà? Il y a une relique qui est pas loin. Voilà. On peut gagner le gros nounours bleu là. Oh, putain, elle m'emmerde avec ça. Des gros lots à gogo, jouer gros pour gagner gros. Et voilà. Jenny, je peux pas faire ça maintenant. Je te promets que je te dirai mon secret. Et voilà petit, ça se refuse pas, une offre venant d'une fille aussi jolie. Tu gagnes, tu repars avec le gros lot. Bon, bah écoutez, on n'a pas le choix. Mais qu'est-ce que je fais moi? Je sais pas. Petit, jouez gros pour gagner gros, allez on l'encourage. Dans le mille. Ah oui, merde, ça. Ah oui, c'est vrai. Ça arrive de partout. Pourquoi j'ai l'impression que t'as déjà fait ça? Ah bah, c'est pas une impression. Hein. Ouais, mais par contre, ce qui est chiant, c'est quoi? C'est pas... La sensibilité est pas top. Wouh, bravo, mon je sais plus, lui, s'il fallait le... La sensibilité est pas top et ça va pas assez vite. Mais bon, on s'en fout. De toute façon, je suis pas là pour gagner tous les succès. Ah, merde, voilà. Wow, c'est pas grave. Ah wow, tu pourrais. Je sais plus combien il en faut. Il en faut un certain nombre. Il en faut un certain nombre. Tu vas y arriver. Ah mais. Petit problème de hitbox aussi qui sont chiants parce que même quand t'es dessus, mais si t'es à côté, bah voilà. Bon ah, bref, j'ai perdu, si. Je pense. Oh là là, on a gagné. Non. Oh, ah bon. Trop génial. Un gagnant du gros lot. Ah bon. Bon, bah, je vais gagner alors. Vive la fête foraine de l'horreur quand même. Tu te souviens que j'avais promis de te dire un secret? Rien de tout cela n'est réel. Voilà. Au revoir la pluche. Ah oui, c'est vrai, ils arrivent maintenant. Oh, je te jette la pluche, mais qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Allez, une petite exécution là. Ouais, alors là, je vais me faire canarder par contre dans tous les... Dans tous les sens. Arrêtez. Toi, tu dégages. Et il faudrait un petit trou noir, ça serait bien en fait. Mais... Alors des fois, ils sont pris par la nuée, ça c'est pareil. Des fois, ils sont pris par la nuée d'insectes, des fois non. Alors c'est chiant aussi. Ah, casse-toi. Au final, on sait même plus ce qu'il faut faire, quoi. Il y a tellement partout que... De toute façon, ça fait un petit bout de temps qu'on est ensemble. C'est vrai qu'à chaque fois, je me dis, tiens, je vais essayer de faire une demi-heure et tout, mais... Comme l'action ne s'arrête pas spécialement... Voilà, bon. Je pense que ouais, je vais m'arrêter là pour ce sixième épisode, parce que après, ça va faire un peu trop long. Ça va faire un peu trop long, je pense. Je pense, ouais, ça fait plus de 40 minutes maintenant, donc je pense que c'est pas mal.
Bah écoutez, on se retrouve bientôt pour le sixième épisode. Donc je crois qu'il y a une relique ici, il faut aller voir quand on a détruit tout ce petit monde. Donc écoutez, c'était le sixième épisode de The Darkness 2, j'espère que ça vous aura plu. Donc n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, à liker, puis à vous abonner. Et moi, je vous donne rendez-vous bientôt pour la suite, pour d'autres vidéos, d'autres aventures. Ciao tout le monde.